Yahweh fongola lola babeli babika ye. Yahweh fongola lola basali basonguya. Yahweh fongola lola makambwe bomana ye. Yahweh fongola lola ye. Beta maboko wana makasi na ngambo wa banguna na yo ezoko mwana bakake. Lobite lelo ye Yahweh. Nous sommes bien aimés à notre deuxième semaine. We are in the second week of concernant les caractéristiques de dernier jour. The characteristics of the last days. Les caractéristiques de dernier jour. The characteristics of the last days. Comme nous l'avons dit dans les Timothée 3 et 9 la semaine passée. As we read it in 2 Timothy 2 Timothy 3, 1-9, last week. We spoke about the first, second, even third and fourth characteristics. Nous fermons les yeux et nous prions. Let's close our eyes to pray. Éternel notre Dieu, merci pour ce moment que nous voulons confier entre ta main puissante. Que toi seul puisse parler à ton peuple. Et que le Saint-Esprit puisse être l'intermédiaire, afin que ce qui sortira de ma bouche puisse aller direct de leur cœur, afin de produire les fruits dignes de repentance. Merci Saint-Esprit de Dieu pour enlever les sommeils et la fatigue, et que ta présence règne dans ce lieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons parlé la fois dernière de l'égoïsme. We talked about last week about selfishness. De quelqu'un qui est égoïste. Selfish. Quelqu'un qui est égoïste. Someone who's selfish. Compte que sur lui-même. Against themselves. Compte que sur son intérêt propre. Even towards themselves. Et pas pour les intérêts des autres. And not for interest of others. La Bible déclare ceci. The Bible declares. Que personne ne cherche pas son propre intérêt. That no one shall look for their own interest. Mais celui d'autrui. But the one of others. Les deuxièmes caractéristiques. The second characteristics. C'était ami de l'argent. Was money lover. L'amour de l'argent. Money lover. Quelqu'un qui aime l'argent. Someone who loves money. Nous l'appelons le profil à Mombo. We call them money lover. Cet homme finira toujours bien aimé en force de chercher l'argent. This person will always end up end up bad for money. Il finira par aller toucher au loge. They will always end up going to touch something they shouldn't touch. Pour avoir. Nous avons dit bien aimé. We have said, my beloved. Que ne soit pas que les gens ne puissent pas se laisser aux loges. That people shouldn't let themselves enter things. Pour chercher de l'argent. To look for money. Et par la suite. And then to follow it. Il y a toujours quelque chose qu'on va exiger. There's always something that has to be done. À l'échange de l'argent qu'il aura après. In exchange the money that they have. Ou bien les enfants. Or whether it's the children. Sa femme. Whether it's your wife. Ou bien ses parents. Or your mother or their parents. Amen, amen. Amen. Nous avons dit aussi. We have also said. Les troisième caractère c'était. Les gens sont devenus fanfarons. Then we also looked at the third character where we said people have become. Oh, that people have become really show-offs. Amen, amen. Arrogant. Amen, amen. Amen. Et le quatrième caractéristique, c'était l'orgueil. Arrogance was a fourth character. L'orgueil. Arrogance. Je vais parler bien aimé des orgueilleux. We spoke about arrogance. Et la Bible déclare que l'orgueil précède la chute. And the Bible declares. L'orgueil précède la chute. That's arrogance precedes death to failure. Quelqu'un qui est trop orgueilleux, très orgueilleux. Someone who's really arrogant finira par tomber. Will end up failing. Parce que l'orgueil c'est Satan. Because arrogance is Satan. Le Satan lui tombera toujours, lui fera tomber. Satan always fails. Plus tard. At the end. Puisque c'est quelqu'un qui veut
Il ne veut pas écouter les autres. They don't want to listen to others. Lui, il a tout. They have everything. Aujourd'hui, bien aimé, nous voulons continuer. Today, my beloved, we'd like to carry on. Avec le numéro 5. With number 5. Blasphémateur. Blasphémateur. Blasphémy. Cela veut dire quoi? Which means? Bato bacho la transambe. Those people who mistreat God. Amen, amen. Amen. Le caractéristique de dernier temps. The characteristics of the last days. Des derniers jours. Of the last days. Les gens vont commencer même à critiquer Dieu. People will come and will start even to criticize God. Les gens vont commencer à parler mal de Dieu. People will even talk bad about God. Quand vous nous parlez de Christ, when you speak to them about Christ, lui commence maintenant à dire de n'importe quoi sur les noms. They now start to say whatever on the name of Jesus. Quand vous dites que Jésus guérit, when you tell them that Jesus heals, lui dit non, c'est du mensonge. They tell you no, you're lying. Ce sont des gens qui vont croire plus aux idoles, aux fétiches, plus que Dieu. Those are people who greatly believe in statues more than God. Amen, amen. Amen. Des macambo, ils le connaissent à dernier jour, boy. These are the sort of things that's happening on the last days. Bato balingi ba magie, balingi ba science occulte. People want magic and they want science. Plus que Dieu. More than God. Amen, amen. Amen. Bazali kochola kanzambe tango nyonso. They mistreat God all the time. Les gens vont devenir rebelles de leur ils vont devenir rebelles à leurs propres enfants. Some rebellious towards their parents. Caractéristiques des derniers jours. The characteristics of the last days. Malaba komini tumakasi. The people have become stubborn. Kozanga botos. Losing of obedience. Na baba. Towards the parents. Amen, amen. Amen. Ils ont des caractéristiques oyo et kozanga na tango oyo. Autre on attend oyo puisque nous sommes déjà au dernier jour. These are the characteristics that we see at this time because we have already reached the last days. Les enfants sont en train d'accueillir de malchance. The children are welcoming curse. De malédiction. They are welcoming this curse. Puisque Bazali va rebelle contre ma propre enfant, papa, na maman, na bango. Because they rebel towards their parents. Amen, amen. Amen. C'est pas signe à dernier jour. These are all the signs of the last days. J'étais à Kinshasa. I was in Kinshasa. La fois dernière, il y a de cela peut-être 5 ans à 7 ans passé. It's probably about 5-7 years now. Voire même plus. Or a little more. J'ai trouvé un papa. I found a man. Âgé de 70 ans d'âge. Age 70 old. Amen, amen. Amen. Papa, où a-t-il dit que moi, il y a un photo? The man sent his child to Europe. Ate kaki ndako na ye. He sold his house. Pour atteindre moi la photo. And to send the child to Europe. Bien-aimés, ne soyez pas rebelles à vos parents. My beloved, don't be rebellious towards your parents. Vous êtes rebelles à vos parents. Don't be rebellious towards your parents. Papa ou bien maman. Father or mother. Puisque il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. Because there's no two fathers and there's no two mothers. Oh, y a beau toi yo. You have given birth to. Oh, y a mon au passé. You have suffered. Amen, amen. Amen. Alors, moi, je ne parle pas de. So, this man. Papa a pris quelqu'un d'autre. He has sold the house. Il a donné, il a pris l'argent pour faire des démarches afin que son enfant puisse aller à l'Europe. He took the money for the child to go to Europe. C'est vraiment ici à Londres. In London. En arrivant ici, bien aimé. By reaching here, my beloved. Le monsieur à la recherche de documents d'identité. The man was looking for identity. En attendant, il fait des petits jobs. In the meantime, he was doing just various little jobs. À un moment donné, il parlait à ses parents. At a moment, he was talking to his parents. Mais à un moment donné aussi, il a coupé les relations, la communication avec ses parents. At one moment, he cut off all communication with his parents. Et ses parents étaient vraiment mécontents. And his parents were very unhappy. Ils se posaient la question, qu'est-ce qui arrive à notre enfant depuis qu'il est parti en Europe et depuis un moment, il ne téléphone plus. They will ask themselves, what's happened to our child since he went to Europe? Until this moment, we don't hear. Ne sois pas rebelle à tes parents. Don't be rebellious towards your parents. Alors, so, à un moment donné, at a moment, at a time, là où le papa
a eu des rivières après une grande pluie. They had a really bad rain. La maison où ils louaient, est tombée dans les rivières. So the house where they were living at was flooded. Ils ont perdu la maison. And they lost the house. Ils sont devenus des homeless. And they became homeless. Sans asile. Without having somewhere to live. Amen, amen. Amen. Et pareil, ils ont commencé à chercher par quel moyen toucher leur enfants pour les aider. By the time that they were looking for to try to reach their child to help them. Mais le monsieur était déjà, il vivait avec une femme blanche, tout ça là, il avait un petit job. But the man was living with this woman who had it and he had a job. Mais il ne voulait pas toujours pas aider les parents. But he didn't want to help his parents. Il a oublié tout ce que les parents ont fait. He forgot all of the things the parents did. Pour qu'elle puisse atteindre l'Europe. For him to reach Europe. Amen, amen. Et les parents ont commencé à parler mal contre lui puisque il n'avait plus de place. La maman est allée chez elle et papa est allé chez son ami. The mom started talking bad about them and the father went to the friend. Amen, amen. Amen. Alors maintenant, comme ils sont partis comme ça par manque de là habiter. So now as they went there with lack of having somewhere to live. À mes voyages, ils m'ont parlé, ils m'ont dit que non, mais comme vous venez de Londres, nous avons notre enfant, voilà cette lettre, s'il y a moyen d'aller donner à notre enfant, expliquez-lui ce qui nous arrive. Yeah, but I see he said, oh, since you come from London, and you know, would you be able to take this letter and don't give it to our child, so that it can explain to our child what has happened to us. Les parents, le papa était vraiment malheureux. The father was very hurt. Il me parlait de cela vraiment étant malheureux. He was telling me the story, being very sad and disappointed. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, la base, la Portugal, ça va souffrir. He said, what would I do? My child is in Europe and I'm here suffering. Il y a mon apport tout le temps, pourquoi je vais vous faire que ma parent n'a pas dit non? That's why when you go in Europe, why do you forget your parents? Ça, c'est la question que le monsieur me posait. That's the question that the man asked me. Moi, je dis, mais papa, c'est pas tout le monde. And I said, okay, for a dad, it's not everybody. J'amène la lettre, bien-aimé. So I'm bringing the letter, my beloved. J'ai appelé le monsieur n'a pas voulu venir retirer prendre cette lettre. I called the man refused. J'ai expliqué ce que ses parents connaissent et connaissaient au Congo. Le monsieur n'a pas voulu venir même auprès de là où j'étais pour prendre cette lettre, pour lire ce que les parents avaient écrit dans cette lettre. And I explained to this guy what was happening to this man, what happened to his parents in Congo, but he wasn't interested to meet him. La rébellion contre ses propres parents. Rebellion towards his parents. Amen, amen. Amen. Si peut-être tu n'avais pas d'identité. If maybe they didn't have an identity. Ou bien si tu n'avais pas du travail. Or you didn't have work. Les parents sont loin. Your parents are far. Ils ne connaissent pas la vie de l'Europe. They don't know Europe life. C'est question de leur expliquer. It's just a question of explaining to them. Voilà bien aimé, c'est là où vient la malédiction et la malchance de tant d'autres ici en Europe. So that's where my beloved, where comes cursing and blessings in Europe. Amen, amen. Amen. La rébellion avec ses propres parents. Rebellion towards his own parents. Ou bien tu as du boulot. Or you have a job. Et tu ne veux pas aider tes parents. And you don't want to help your parents. Les parents sont encore à location. Your parents are still. Ils n'ont pas l'argent pour payer la maison. They don't have money to rent. Mais toi ici en Europe, tu es bien. But you in Europe, you are good. Bien assis. You're chilling. Tu joues avec ton argent. You're relaxed with your money. Comme tu veux. As you wish. Mais balobaké, tes parents basali basami amuti. But they do to say that the parents are the gods in the world. Septième, ingratitude. The seventh one is being ungrateful. Les gens sont très ingrats. A lot of people are very ungrateful. Bakoza la koboya kopesa merci na oyo basaleni ye malam. Forgetting to thank the person who's done you good, who's done you well. Quand tu fais quelque chose de bien à quelqu'un. When you do well, when you do good to someone. Le merci. And thank you. Le remerciement. And thank you. A vraiment une grande importance. It's very important. On te donne quelque chose. They give you something. Et tu dis merci papa. And you say thank you father. Ou bien merci monsieur. Or you say thank you sir. Ou bien merci madame. Or you say thank you madam. Ou bien merci maman. Or you say thank you mom. Amen, amen. Amen. Les gens sont devenus ingrats. A lot of people have become very grateful.
gratitude. I'm grateful. Do not take it. They give you something. And you just take it without saying thank you. Dans mon temps, moi, quand in j'étais time, un peu jeune, younger, et que je vivais avec mes parents, and I would be my friends, même quand on mangeait comme ça, together, tout ce que maman te donnait, why would mom gave you, tu devais dire merci. You say thank you. Tout ce que papa te disait, tu devais dire merci. Quand tu ne dis pas merci, when you don't say thank you, il va dire que tu m'as saboté. And they will say it's kind of like you. Il va piquer ça. You just, est-ce que tu vas dire merci? They will keep that to be safe and for them to give it. Les gens sont devenus ingrats, bien aimés, dans ces derniers jours. People have become very ungrateful in these last days. C'est Satan maintenant qui joue le rôle parmi les enfants de Dieu. It's the devil now that plays a role. Et c'est lui-même qui gère la vie des autres maintenant. It's even him that is in control of his life now. Amen, amen. Amen. Bah, tu vas comme un co. Sacrilège, co. Vous allez le cambo et puis sur co. And now a lot of people will be turning into bad by purpose. Amen, amen. Amen. Ce sont des signes. These are all signs. Des caractéristiques des derniers jours. These are all characteristics of the last days. C'est pour vous faire voir que le temps qui nous reste est un temps mauvais. It's to show you that the time that we are living at the moment is a bad time. Bien aimé, 9e. My beloved, the 9th one. Insensible. Being insensible. Not feeling sorry for people. L'œil pour l'œil, dent pour dent. An eye for an eye and tooth for a tooth. Amen, amen. Amen. You hit them and you hit them back. You speak, they also speak. You insult, they also insult. You hurt, they also hurt. Bien-aimés, les gens sont devenus insensibles. But you know, people have become so insensible. Les gens ne veulent pas se laisser faire. Amen, amen. Amen. They don't feel sorry for their friend. Amen, amen. Amen. Au travail là où tu es. At work where you are. On est en train de chercher quelqu'un. They're looking for someone. Pour faire tel ou tel job. To do this that job. Mais qui a ton frère ou bien ton ami qui n'a pas de travail? But you have your brother or sister who don't have a job. Tu ne veux même pas lui parler de ça. And you don't even want to speak to them about that. Amen, amen. Amen. There's no more, you don't feel sorry for them no more. Ils préfèrent qu'ils souffrent. You prefer them to suffer. C'est pas mon problème, il n'est pas de ma famille. It's not my problem, they're not my family. Il n'est pas de ma famille. Or they're not a family. Ah, attends, couche, attends, attends, passe, moi je m'en fous. Even if they die, even if they suffer. Dans la salle d'une salle d'un bail. I've already got my job. Ils doivent se débrouiller. They have to just mind themselves. Amen, amen. Amen. Merci. Il y a dernier jour. The signs of the last days. Amen, amen. Amen. Calomniateur. Ma propos c'est la maninga macam. Calomni. Blaming someone. Ça nous sommes maintenant au 11e, au 10e caractéristique. We are already on the 10th character. Mouta kosho likamu pesa ko yo yebite. Put the blame on someone else. Amen, amen. Amen. A fausté na yé, il est comme vérité. His false becomes truth. Amen, amen. Amen. Il est lobby. Bato ya calomniateur, bato calomniateur, bato kote na beaucoup de nazar. The Bible says that anybody putting the blame on someone else will not enter the kingdom of God. C'est ça que nous vivons maintenant ici au dernier jour. That's what we're living now in this last day. Pourquoi c'est la monnaie du camo? Blaming your fault on someone. So you come to my workplace and you start to fall for you're capable. Il va aller voir le manager. And you will now go see the manager. Pour dire ne pas trop contre son collègue. To say whatever to the colleague. Puisqu'il est jaloux dans mon salaire, il y a ça. Because they're jealous of the job they're doing. Position. Blame, putting the blame on someone
baninga makam. Blame, they put the blame on black people. They have made the lie and cooked it very well. And they have given the value and fed it to people. Amen, amen. Amen. Le flatteur vit, grosse, et vit, car c'est lui qui l'écoute. The flattery leads to those who listen to them. Flatteur, encore, encore, présent, encore, présent, ma soeur, je la casse, et bien, même. Those flatterers know need to talk more to all those who will listen to them. Because they know that they have those people who they tell lies to. They will always give them reason. Because they have those weak. Oh, yeah, that he knows he always gets from his lies. Ça veut dire que flatter, c'est pour vivre là-bas, dans la dépendance, c'est pour vivre. That's what they always say. Leaves according to those who listen to him. He has cooked his life until he came and fed it. And then the other one also has gone and feed the life of the Lord. I came from that person and what they told me to do. Do you need something to do with that? You don't give your wife money. You beat her up and touch her. The signs of the last days. We're going to enter this before we pray. Amen, amen. Amen. But with a sound friend, they will have no break. If you see someone just talking without break in their mouth, amen, amen. Amen. You just talk it because they want to be heard. Amen. Il parle sans frein. He or she speak without break. Et ça c'est la dernière jour. These are the signs of the last days. Bah, it's really painful.
Et nous allons aussi au 13e. Les gens sont devenus cruels. Mobulu Bitumba. C'est ça que nous voyons maintenant. Mobulu, Mobulu. That's what we see right now. A lot of mess. Amen, amen. Amen. Nous vivons le monde à l'envers. We live on upside down world. Bitumba est pas innocent. There's war everywhere. La guerre en Afrique. There's war in Africa. La guerre en Europe. There's war in Europe. En Occident. There's war. En Amérique et partout. In Asia, America, everywhere. Australie. Australia. La guerre est partout. There's war everywhere. Les gens sont devenus cruels entre elles. People have become cruel towards one another. Les gens s'entretuent. People kill each other. Amen, amen. Amen. Comme on est en train de nous tuer chez nous-mêmes à cause de nos propres minéraux. Like we are being killed by our own people in our own country. Nous sommes un problème à cœur pour nos propres biens. We are having a problem for our own goods. Dieu nous a donné les coltans, les minéraux et les diamants et tout consort. God has given us minerals, diamonds and all sorts. Mais les voisins sont cruels, sont méchants envers nous puisque ils n'ont pas cela. But the neighbors are cruel and very unkind towards us because they don't have. Pour bien faire, il faut nous tuer. To do well, you have to kill us. Il faut nous combattre. You have to battle us. Pour gagner nos biens. To win our goods. C'est ça aussi même parmi les gens. That's what also happens among. Les gens sont jaloux. People are jealous. Des biens des autres. Of the goods of others. Quand quelqu'un progresse. When someone progresses. Moi, je suis mécontent. I'm very happy. Pourquoi lui seulement? Why the why? Kakaye. Why only him? Ma quand même pas pour le kakaye. Why the blessing just him? Ma quand même c'est la madame kakaye. Everything good, what you say? Oh, nous sommes dans un pays à Zanango. Everything that I lack of. He has a house. They have a children. Children are good. They have a job. They have this. People want goods more than people. Because of that, they become very bad people. And they become very bad people. Ils commencent à s'entretuer. And they kill each other. À cause de la jalousie. Because of jealousy. Les signes des derniers temps. The signs of the last days. Les signes du dernier jour. The last of the last. The signs of the last days. The characteristics of the last days. La méchanceté. Being unkind. A pris une grande place dans nos vies. Has taken a big place in our heart, in our life. Si vous voyez cela bien aimé. If you see this, my beloved. Ce que nous voulons maintenant. What we need right now. Nous sommes au dernier temps. We have reached the last time. Le Christ peut nous faire des surprises. Christ can give us any surprise any day. La Bible déclare dans Matthieu 7, verset 21 jusqu'au-delà. The Bible declares from Matthew 7, verse 21 and over. C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. It's not those who say, Lord, Lord, that will enter the kingdom. Mais c'est ceux-là qui feront ma volonté. But those who will do my will. Amen, amen. Amen. Le temps que nous vivons, c'est vraiment, c'est un temps mauvais. The time that we live in that is a bad time. Nous devons nous rendre compte de là où nous allons. We have to be aware of where we're going. Par rapport à là où nous sommes. Compared to where we are. Tout bon va bon sang. Let's keep in God. Tout bas tenir ce que tu n'as pas mon habitude. Let's keep God in our lives. Oui, tu vas communier aussi avec les cas. So that everything that will happen. Et le balai tu vas pouvoir comme quoi the word that we listen to every Sunday will stay forever. Let's not be ungrateful. Let's not be in show us. Let's have grace in our house. Let's talk a lot about God. Instead of telling lies and things that don't make sense. Things that don't feed our soul. Let's not be rebellious towards our parents. There are gods in the world. If the father didn't bring it to this world, if your parents didn't bring it to this world, you wouldn't be who you are today. You have to be happy with what you are. Amen, amen. Amen. Et commencer à venir ceux qui t'ont mis au monde. And bless those that you have brought into this world. La bénédiction de nos parents. The blessings of our parents. Nous donne aussi la vie. Also gives us life. Et surtout une longue vie. Especially a long life. La Bible déclare que moi, nous allons tous avoir parents d'ailleurs. The Bible declares that the child who obeyed the father, the parents. La première étape, vous voulez une amour. Will live forever and ever. Que cet enseignement. May this preaching. Là où nous sommes à sa deuxième semaine. Where we have entered the second week of it. Puisse changer ta vie.
May you change your life. Que Dieu nous bénisse. May God bless us all. Nous applaudissons pour notre Dieu. Let's clap for the Lord. Na makasi, na ngambo banguna na yo ezobongwa na bakake.